Thank you Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui notre thème du jour est que la durée de ton épreuve ne te fasse pas murmurer contre Dieu. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne aujourd'hui et nous allons parler de ce thème dans l'émission, de ces longues attentes, de cette persévérance dans la prière et parfois c'est très très long et on peut avoir tendance à vouloir murmurer contre Dieu, mais on va voir qu'il faut s'accrocher et persévérer. Et j'ai un très beau témoignage à vous présenter à vous deux. Et à vous wow. à la maison, surtout un très très beau témoignage d'une maman qui a été persévérante vraiment pour ses fils, pour ses deux fils qui étaient vraiment dans la drogue, dans une période de leur vie très très sombre. Elle a prié pour leur salut, elle a prié pour leur délivrance et elle a vu la percer. Un magnifique témoignage qui va encourager des mamans qui nous écoutent en ce moment. Ça vous va comme plan pour aujourd'hui Ça nous va Parfait, parfait. Et tu fais la pensée du jour aussi. La balle est remplie de feu. Hein. <rire> <Non>. <rire> Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Ça fait peut-être maintenant des mois ou des années que vous soupirez après votre guérison ou la guérison d'approche, le salut de votre conjoint, le salut de vos enfants, une décision judiciaire aussi qui traîne, une dette qui n'arrive pas à se résorber. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, alors que ça fait plusieurs années et que vous commencez peut-être à faiblir dans la foi, à vous rappeler ce moment où vous avez cru que Dieu allait le faire. Vous avez su, il y a un moment, vous avez su, oui, Dieu va le faire. Il a pris ma situation en main. Il connaît ma situation. Je sais que la guérison arrive, que la guérison est en chemin. Je sais que la provision est en chemin. Je sais que mon dossier va être traité. Et puis vous avez commencé à confesser cette parole, à la croire même à répondre aux gens qui essayaient de vous décourager non je sais que je sais que je sais que Dieu l'a déjà fait et les mois sont passés et peut-être maintenant ce sont des années qui sont en train de passer et vous vous dites mais est-ce que Dieu va vraiment le faire et je voudrais vous dire oui la parole que vous aviez reçue il y a quelques mois il y a quelques années était vraie elle était véritable et oui Dieu va le faire ne vous découragez pas ne vous lassez pas de faire le bien par parce que vous allez récolter autant convenable et je voudrais lire avec vous ce passage dans Romains pour nous encourager vous encourager à prendre exemple sur Abraham qui n'a pas faibli dans la foi. La Bible nous dit Romains 4 verset 19 sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, 100 ans c'est long, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et je veux vous le dire, ce que Dieu vous a promis, il peut aussi l'accomplir. Alors ne faiblissez pas dans la foi. Oui, la réponse est en chemin. Oui, la guérison est en chemin. La provision est en chemin. La délivrance est en chemin. Ces enfants pour lesquels vous priez vont se tourner vers le Seigneur. Ne relâchez pas. C'est bientôt le temps de la récolte. C'est bientôt le temps de la moisson. Alors ne faiblissez pas dans la foi. Gardez vos yeux vers celui le seul qui pourra l'accomplir. Le seul qui pourra le faire parce que le secours nous vient de l'éternel. Amen, Amen. La... Persévérance, on a besoin de se fortifier dans ces ouais. moments-là. J'aimerais tellement pouvoir euh, dire ici euh, des étapes à suivre pour être sûr d'obtenir percé, la percée au bout de ça. Vous allez faire ça, vous allez faire ça, et ensuite la percée va arriver à cette date-là, c'est sûr. Mais ça fonctionne pas comme ça. Pourquoi c'est long On ne sait pas. Pourquoi certaines fois c'est très court Pourquoi certaines fois c'est très long Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui doivent être mises en place. Il y a des cœurs qui doivent être prêts à recevoir. Il y a beaucoup de choses qu'on réalise pas. La chose qu'on sait, c'est que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle et qu'il entend nos prières. Et notre travail à nous, c'est de ne pas nous décourager, de continuer, de croire encore en, envers et contre tout. Encore et encore et encore. Et parfois, ce qui est fou, c'est que plus on prie pour une situation, plus elle empire. On se dit, mais Seigneur tu ne m'as pas entendu, là, je te priais pour ça, et finalement, c'est encore pire. Mais en fait, Dieu est au contrôle. Il est en train de préparer quelque chose, on ne le voit pas. Peut-être qu'il est en train d'amener une personne, peut-être qu'il est en train de préparer une circonstance, peut-être qu'il est en train de préparer un travail, peut-être qu'il est en train de, 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 de toucher un cœur. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les prières ne sont pas vaines. Croire que les prières sont vaines, c'est se faire vraiment voler par le diable. Il faut avoir cette assurance. Que Dieu nous entend. Quand on rentre dans le lieu secret, Dieu nous entend. Dieu est avec nous et Dieu entend et prépare quelque chose. Et est en train de mettre des choses en place. Et il faut absolument résister à ces pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi qui viennent finalement nous polluer et nous faire croire que finalement Dieu a peut-être pas envie, que finalement bah, Dieu ne nous entend pas, que finalement peut-être même Dieu n'existe pas. On peut s'imaginer tellement de choses et tomber dans le découragement comme tu dis, les prières sont pas vaines et les prières ne sont pas vaines parce que ce sont des vraies promesses. Oui. c'est pas une course contre le vent. c'est pas euh, des, euh, des aspirations vaines. ce sont des promesses qu'on a lues dans la parole, des promesses que dieu nous a données et on a raison d'y croire. on n'est pas juste euh, trop euh, rêveur, trop euh, utopiste, etc. c'est ce que dieu a promis et comme il l'a dit, comme on le lit d'abraham, ce que dieu promet, il peut aussi l'accomplir oui. et c'est de se rappeler mais si dieu a dit quelque chose c'est pas un menteur il va le faire et il y a des personnes sur cette terre qui passent leur vie à courir oui. quelquefois après un héritage après une reconnaissance parce que c'est leur droit parce que enfin, en tout cas ils estiment que c'est leur droit ils passent leur temps puis ça leur vole leur joie ça leur vole leur paix ça leur vole tout oui. mais nous on est en train de persévérer après une promesse que dieu a donnée et dans cette persévérance il y a aussi et c'est important de le Dire, il y a vraiment une provision de paix oui. et il y a une provision de joie. Dieu ne Amen. nous dit pas, persévère, sois malheureux. Mm -hmm. Et euh, il y a le verset qui dit, euh, fais de l'éternel tout tes délices et il accomplira euh, tout ce que ton cœur dés désire. désire. Et dans la version Summer, c'est écrit, en Dieu, mets ta joie, il comblera les vœux de ton cœur. Wow. Et euh, même quand je l'ai lu, j'ai même pas reconnu le verset. Mais oui, mais quelquefois, ça fait je du bien. Euh, mm -hmm. C'est en Dieu, mets ta joie. Il comblera les vœux de ton cœur. Et alors qu'on met en Dieu notre joie, qu'on dit, mais Dieu, c'est toi ma joie, bah, les, les voeux de notre cœur, et les voeux de notre cœur, c'est ces promesses, ouais. ces choses pour lesquelles on a soupiré, on a prié, qui sont des bonnes choses, des choses légitimes, s'accomplissent. Ouais. Dans le pays d'Israël, où est-ce qu'il y avait l'Église primitive, les gens allaient frapper à la maison et ils se saluaient en disant, Maranatha, uh -huh. Jésus revient. Et en fait, si notre persévérance serait forcément liée à, obligatoirement à la manifestation de la promesse, Jésus n'a pas changé d'idée, Jésus revient. Oui. Et les gens se moquaient d'eux, mais ils se le rappelaient constamment, Jésus vrai? revient. Mm. C'est extraordinaire. Nous, on se dit souvent, Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mm -hmm. On devrait parfois dire, Dieu est fidèle. Se rappeler de la fidélité de Dieu. Tu vois, vois c'est juste mm -hmm. le fait de se rappeler en disant des choses comme ça. Il dit, Maranatha, Jésus revient, c'est-à-dire marche dans la sainteté. Euh, Fonce pour Dieu. Ne vis pas pour les choses de ce monde. Soit ça fait. voulait dire tout ça mm -hmm. en un mot. Ouais. Et c'était puissant. Et en fait, on se décourage parfois parce que l'épreuve dure un, un, un temps. Mais quand on se rappelle et on se souvient que dieu a tellement été bon et puissant qu'il a sauvé notre âme d'une perdition éternelle mm -hmm. mais c'est extraordinaire Amen. et qu'on se dit mais c'est tellement rien pour lui de ramener mon fils ben oui dans, dans ses voies c'est tellement rien pour lui de faire que telle chose arrive si dieu a été tellement fort pour me sauver et, et, et pardonner mes péchés peu importe ce que je vis je vais persévérer parce qu'il est tout puissant, il n'y a rien qui est trop dur, il n'y a rien qui est trop grand et surtout ne vous laissez pas décourager, ni voler, ni dérouter de votre enseignement que vous avez reçu, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu va tenir et accomplir ses promesses, que Dieu ne va pas changer, qu'il ne change pas, que ce qu'il a promis, il va l'accomplir parce que tout est possible avec lui. Si on met notre foi en lui, ne vous laissez pas voler. C'est tellement important. On a juste à persévérer, même si on ne comprend pas tout. Oui. On comprend pas tout, on fonce pareil. Amen. Notre verset du jour aujourd'hui est dans « Lamentation », au verset 3, 26, mais vous allez Ça voir que c'est un verset qui ne recommande pas <laughs> la lamentation. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on parle de silence, on ne parle pas de ne pas aller prier, uh -huh. de ne pas euh, le louer ou l'adorer, comme on le disait dans l'émission d'hier. Ce silence nous parle de ces murmures dont parle cette émission, ce thème de l'émission, des murmures qu'on peut faire monter, parce que justement, on est dans cette attente, on attend le secours de l'Éternel, mais en silence. On ne prend pas euh, le, le, le temps d'attente. Pour acquis, disant que, ah, c'est parce que Dieu n'entend pas, c'est parce que Dieu ne veut pas. Et c'est important vraiment de veiller sur notre bouche dans ces moments-là, de veiller sur nos pensées, parce qu'on peut tellement se faire voler et finalement renoncer. On était peut-être à ça de la percée. Et le diable est venu nous voler par toutes sortes de pensées, toutes sortes ouais. de mensonges qu'il est venu mettre dans notre tête et on passe à côté de la percée à cause de ça. L'autre jour, je lisais un passage dans 1 Pierre 1,7 qui m'a euh, quand même interpellé. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, quand tu traverses une période difficile, mmh. le résultat dans tes actions, dans ta bouche, dans, dans tes pensées, ça doit être de la louange et de la gloire et de l'honneur. Ouais. Et souvent, c'est de la plainte, <laughs> c'est du murmure. Des lamentations. <laughs> des lamentations oh, ouais. et des questions. Ouais. Et tu te dis, c'est très simple. OK, valeur éprouvée de ma foi. Alors que je suis pressée, alors que je suis écrasée et que je suis... Euh, c'est ça de, de toute part, ou qu'on est en train de, de souffrir quelquefois de façon totalement injuste. Qu'est-ce qui va sortir de moi Quel va être le résultat Et là, trois mots, louange, gloire, honneur. Et c'est facile de savoir si, euh, si on a ça qui apparaît dans notre vie. Et euh, bah tout simplement, quand on, on lit ce genre de verset, on peut se sentir aussi repris. Et je sais que c'est pas facile parce que ça fait peut-être des années, mais c'est... C'est tout simplement ce que dit la parole de Dieu, et c'est de revenir à cette parole et d'accepter de se soumettre, de se dire, bah, de ce temps d'attente, dans ces peut-être ces années d'attente, j'arrête de murmurer, ouais. j'arrête de me plaindre, et je vais commencer par, par louer, je vais commencer par rendre toute la gloire à Dieu, je vais commencer à lui donner tout l'honneur, non pas pour mes souffrances, mais parce que dans l'épreuve, je sais que c'est lui aussi qui va m'en sortir, je sais qu'il va trouver un moyen, je sais que son temps sera bon, je sais que je vais avoir la force de pouvoir passer à travers et ouais. donc de remplacer mur mur plein de questions par louange gloire et honneur. Amen. On va prier pour vous, mais à la fin de l'émission, j'aimerais d'abord qu'on puisse regarder le témoignage qui va vraiment vous encourager. Je crois dans la puissance du témoignage. Il y a quelque chose dans la puissance mmh. du témoignage. d'ailleurs, la sœur qu'on va découvrir, elle a été fortifiée par un témoignage. Et vous, à votre tour, vous pouvez être fortifiée par son témoignage. Je vous laisse le découvrir tout de suite dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi une soeur, une maman exceptionnelle. Je vous présente Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Olivienne, <laughs> ça me fait plaisir. Merci. Oh, merci à vous d'être avec nous. Vous venez nous partager une partie de votre vie qui n'est pas toute facile, mais qui va encourager, j'en suis sûre, beaucoup de mamans. Vous allez nous raconter comment vous avez persévéré dans la prière. Pour euh, arracher vos, vos deux fils euh, aux mains de, de la drogue, des difficultés et du monde. Et surtout, comment ils ont pu connaître le Seigneur de manière extraordinaire. Donc, euh, Agathe, vous avez une très jolie famille. Vous avez eu cinq beaux enfants qui ont. Euh, donc, c'est déjà juste beaucoup. Juste cinq enfants, c'est déjà waouh. <laughs> pour moi, qui n'en ai que deux, c'est waouh. Wow. <laughs> cinq beaux enfants. Et euh, vous étiez euh, chrétien avec votre mari. Vous étiez impliqué dans l'Église. Vous serviez le Seigneur. Plutôt une belle vie qui s'annonçait devant vous. Et puis, euh, à l'âge de 13 ans, euh, vos deux garçons, qui étaient deux jumeaux, les deux derniers de la famille, Martin et Francis, ont commencé à s'éloigner de plus en plus euh, des projets que vous aviez pour eux et ont, sont tombés dans la drogue petit à petit, dans différentes addictions. Ouais. Oui, c'est ça. C'est à, à l'âge de 13 ans, comme je dis euh, souvent, 13 ans, c'est un point tournant. Mm. Hein, on en parlait tantôt. Fait. Euh, que mon mari et moi, on, on s'est rendu compte qu'il touchait à la drogue. Et là, on s'est senti vraiment perdre le contrôle, dans le, sens, le contrôle dans le sens de la protection, d'entourer de, de, nos enfants là, pour, euh, pour pas qu que ça continue dans cette direction-là. Puis, euh, comme il était deux, mm -hmm. euh, il y avait une double complicité. Et ça a été extrêmement difficile. Et ça, c'est arrivé quand ils ont débuté le secondaire, mais ayant eu euh, énormément de difficultés, fait qu'ils était dans un secondaire, mais pas un secondaire euh, traditionnel. On traditionnel, tu sais. Mm -hmm. Et là, mais ça ne fait que. Qu'empirer parce qu'il y avait de la drogue. C'est ça, parce oui. qu'ils ont eu beaucoup de difficultés scolaires, oui. ils auraient eu besoin d'être accompagnés oui. par des orthophonistes et autres. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas eu le soutien qu'il fallait, donc ils avaient oui. beaucoup de retard à l'école. Et finalement, euh, ben à 13 ans, il y a des portes d'ouvertes oui, qui se sont ça. dressées devant eux et ils ont fait ces choix. Donc euh, la drogue, est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben, ils sont jeunes, ça va passer Ou oh, tout de suite, vous avez oh, dit, c'est sérieux, il faut que je prenne ça en main Non. Euh, J'ai jamais dit, son jeune, ça va passer. C'était le combat, était tout de suite. Tu pries et tu n'abandonnes pas jusqu'à temps que tes fils soient délivrés complètement et qu'ils servent le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était, euh, non, je, euh, ça m'attriste quand j'entends justement, euh, puis je ne je veux pas juger personne parce que. C'est une grâce que j'ai reçue de pouvoir euh, réagir comme ça. J'aurais pu réagir, dire, ça va passer, c'est une, passe. une pause, puis laisser aller. On ne peut pas laisser aller. On, 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 non. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que je savais que Dieu voulait que, mes, que nos enfants soient sauvés. Chaque, chaque parent, hein, mon mari et moi, on le savait on le savait, on avait cette certitude. Ça veut ça. dire que si t'as la certitude, tu t'as pas le choix. C'est ça. Tu, tu continues, tu intercèdes, tu pleures. Hein, la Bible a dit que il entend les... Il est les, les, les inexprimable, il recueille chacune de nos larmes. Tu sais. j'ai... Oui, je me suis effondrée euh, tellement de fois où est-ce que j'avais... J'avais pas de mots. Hum. Je n'avais pas de mots. La douleur était tellement intense et euh, c'est sûr que nos enfants, les plus vieux, euh, étaient au Seigneur. Ils n'avaient jamais connu d'aller de, euh, dans des choses, euh, comme on dit, de drogue ou dans le monde euh, de séculier, si ah. on veut, là, les plaisirs de ce monde. Ils étaient, bon, tandis que... Euh, c'est ça, fait que ça l'affectait toute la famille parce que ma santé aussi en a pris un coup euh, ça a développé des chocs euh, premièrement euh, durant cette période-là de, de, euh, de ça a duré de 12-13 jusqu'à on va dire 18 ans parce que c'est arrivé au mois de juin puis ils ont mmh. eu 18 ans mmh. euh, ça a été long quand même euh, c'est très long parce que c'est tellement important. Ce, ce temps-là est un temps euh, qu'on ne peut pas, on, 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 vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est important de tout de suite réagir. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Vous n'avez rien laissé passer, tout de suite vous avez réagi dans la prière. Dans la prière. Mais ça n'a pas porté ses fruits tout de suite. Comment vous avez fait pour, alors que vous priez, vous priez, vous voyez pas d'évolution pour trouver la force de continuer de persévérer parce que ça empirait. On va en parler après, mais oui. on va voir qu'il y a eu beaucoup de difficultés qui se sont dressées sur votre chemin. Oui. Où vous avez trouvé cette force Cette force, je la trouvais euh, dans la parole de Dieu. Mais ce que j'ai toujours dit, euh, le Seigneur m'a donné une parole. Il me donnait une parole qui devenait réma, qui devenait réel pour moi et je m'appuyais sur ça. Et un autre temps, j'en avais une autre. Il n'y a pas eu 50. Mm -hmm. Il n'y pas eu 50. Mais la parole, parole mm, auquel vous avez pu vous... Que je vous pouvais m'accrocher. Mm. Parce que quand une parole devient vraie pour toi, c'est comme si elle ressort et que le Seigneur la dépose là. Mm -hmm. Tu ne peux pas te. Là, tu le sais. Puis, dans des temps où est-ce que euh, ça remplirait, on dirait que les choses euh, allaient. Oh, il y a un moment donné, on était vraiment dans un moment euh, tellement, mais tellement déchirant. Là, euh... Mais juste avant le moment déchirant, qui est dix mois avant le décès de de notre troisième fils. C'est ça, parce que vous avez vous, votre fils, Joël, qui, lui, est décédé d'une manière tragique dans un accident de voiture. Un accident de voiture, le 22 décembre. Pas de boisson, pas, pas de drogue, pas de vitesse, pas de chaussée glissante, euh, pas d'esprit de, de suicide. Mm -hmm. La police, tu sais, a fait l'enquête. Sans, sans et explication. Sans explication. Il était avec nous, et puis dans la soirée, a tout cas. Puis on n'a pas... En tout cas. C'est vraiment euh, ça, ça a été. trois décès, deux dans l'autre voiture de 18 ans, la même chose, pas de drogue, pas de boisson, rien. Euh, inexplicable, mais euh, comment j'ai trouvé la force, mon mari et moi, c'est parce qu'on a l'espérance. L'espérance de notre salut en Jésus, c'est quand tu passes des épreuves. Des épreuves vraiment, là. C'est là que tu vois monter cette espérance qui devient euh, euh, tabouée parce que c'est une espérance certaine. Et je savais que Joël, je savais. Je savais les choix qu'il avait fait plus jeune. Je savais ce qu'il avait fait. Et le Seigneur fait. nous donne une consolation. Mmh. Et, euh, puis nous. J'aurais long à dire, était, mais on, là, ce n'est pas le, le oh, moment. C'est ça, vous saviez qu'il était aux côtés du Seigneur? Je euh, savais. Et ça, c'était votre espérance? Mais vous aviez encore euh, Martin et Francis qui étaient là, eux? Oui, c'est ça. Leur état ne s'améliorait pas. Mais là, eux étaient euh, juste au moment où est-ce que le, le policier est arrivé pour nous annoncer pour Joël à 6 heures le matin, Martin, Francis, qui était couché. Euh, ils ont entendu, et Martin disait, je voulais lui dire à Joël que je pour changer, que je voulais changer. Il, était, il, il pleurait tellement, puis je pour lui dire, là, je pour lui dire à Joël que je voulais changer. Fait que, mais ça l'a duré euh, euh, pendant... Euh, c'est ça, il y a eu Joël, puis dix mois plus tard, c'est là qu'il y a eu euh, un autre un accident. Autre accident. Votre fils Martin cette fois Martin, qui a eu un, un est accident ça. de VTT euh, oui. très violent. Il a eu un traumatisme, un, un traumatisme de moyen à sévère, mm -hmm. et il a complètement perdu la mémoire ça, pour un, un mois. Ça deux semaines dans le, le coma, deux semaines dans le coma, perte de mémoire. Il a fallu lui réannoncer que son frère était décédé. Il avait tout oublié. Tout oublié. Il a tellement pleuré, mm -hmm. mais pleurer c'était. Puis il n'avait plus la même. Euh, ça faisait des. Des montagnes russes, mm -hmm. la personnalité, hein, quand tu as eu un traumatisme. Et c'est là le moment le plus important où est-ce qu'il ne devait pas toucher à la boisson et à la drogue. Pas d'alcool. Pas d'alcool, rien, tu sais, la cigarette, tout ce qu'on mm -hmm. Tu sais, le cerveau a la capacité de se régénérer, mais il faut, faut lui donner les bonnes choses. Oui. Mais, euh, pis, mais là, ce n'était pas le cas. C'est que malheureusement. En tout cas, gloire à Dieu pour ce qui est aujourd'hui là, mais à ce moment-là, ce qui était doublement déchirant, c'est que on, on le perdait encore une fois. Exactement. T'sais, en allant, il allait pareil avec son frère, les amis, puis que là, c'est ça là. C'est que à ce moment-là. Euh, on est rendu déjà à. Oui, il hein? On a bien avancé, mais on il y a, a eu un moment avancé. qui a été primordial pour vous parce que oui. justement, il y a eu ce décès de votre fils qui est oui. tragique, cet accident de Martin, vous avez oui. cru le père. Vous êtes au bout du rouleau, mais euh, vous aviez un rendez-vous, enfin une réunion auquel vous étiez inscrit, une réunion de leadership, une sweet. conférence de leadership où vous dites, mais. C'est pas du tout ce dont j'ai besoin à ce moment-là, mais votre mari, qui est clairvoyant et inspiré du Saint-Esprit apparemment, ah oui, vous dit il faut qu'on y aille. Et là-bas, il va se passer quelque chose de primordial. Oui, c'est qu'on s'assoit. J'avais le cœur là. On s'assoit direct en avant. Et le pasteur euh, euh, invité commence et dit tout de suite tournez vos chaises, mettez-vous quatre personnes ensemble et prier tout de suite pour vos besoins. Et moi, quand je vois devant moi un jeune homme, une jeune femme, et devant moi, c'était le jeune homme, j'étais doublement déçue <laughs> parce que j'ai dit, il ne pourra pas comprendre ma peine. Fait que là, le jeune homme, il voit que j'ai le cœur là, fait qu'il dit, madame, il dit, moi, je vais prier pour vous, puis moi, je vais vous encourager. Puis là, j'ai dit, en pleurant, que c'est nos fils, il y avait 16 ans à ce moment-là, qui sont dans la drogue, puis et là, il dit, Madame, ne sous-estimez jamais la puissance de la prière d'une mère. Ça m'a tellement, mais tellement touchée. Il dit, moi là, j'étais dans la grosse drogue. Puis ma mère a prié, pas prié, pas prié. Puis un soir, je rentrais toujours très tard. Un soir, je suis entrée très tôt. Et mon père regardait un film. Tout simplement, il se lève, il vient m'accueillir, puis il dit. Euh, il y avait tellement de bonne moralité. Il raconte tout simplement, il avait pas fini de parler. Il dit, j'ai tombé sous mes genoux, je pleurais, je demandais pardon Seigneur pour ma vie euh, passée wow. loin de lui parce qu'il s'était éloigné Conviction de Dieu. De Conviction de péché. Puis là, ça fait six ans, je suis mariée et avec mon épouse, je conduis la louange dans notre église. Et euh, il dit, madame sous estimer jamais la puissance de la prière d'une mère. Wow. C'est sûr qu'il y a le père qui aussi, mais le cœur d'une mère. Vraiment, vraiment. le cœur d'une mère. Et, euh, ça vous a donné la force de continuer à. Ça m'a donné la force jusqu'à voir l'exaucement. Jusqu'à voir l'exaucement, parce que c'est euh, dix mois plus tard, la victoire était là pour les deux. Les deux ont été complètement délivrés. Les deux ont été délivrés complètement de la drogue. Moi, j'étais. J'étais pas là ce dimanche là, j'avais une formation. Mon mari il dit les garçons, ils étaient à l'église, c'était incroyable. J'arrive le soir, il me, Martin il vient me voir, rayonnant, euh, il dit maman, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, puis il dit merci d'avoir prié pour moi. Ah, ah. C'est la récompense ultime, ça. Fait que là, les mamans, là, je le sais que je peux pas dire toutes les larmes qui ont été versées, je suis pas mieux qu'un autre. Je suis, je me, si je suis ici, c'est que je me considère une maman comme toutes les mamans mmh. qui peuvent nous regarder, que ce soit en Afrique, en Europe, au, au Québec, peu partout. importe, mmh. partout. C'est un encouragement pour tu sais, dire qu'il faut persévérer. C'est qu'il qu faut persévérer jusqu'à la victoire. Amen. Jamais Amen. baisser les bras. Amen. Merci beaucoup vraiment, Agathe, d'être venue. Et la semaine prochaine, on va découvrir l'histoire de Martin. On va voir lui comment il a vécu tout ça de son côté. Et on va voir qu'il est allé de victoire en victoire, de percée en percée. Et euh, ça va être un plaisir de découvrir cet ce, ce homme dont vous nous avez parlé. Oui. Merci beaucoup Agathe d'être venue béni soit Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette famille. Et comme je le disais dans C'est mon histoire, la semaine prochaine, on découvrira l'histoire de Martin, un de ses fils dont elle a parlé. Et vous verrez ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous allez voir, c'est un homme rempli de zèle. Mais avant de vous quitter, euh, Frank, si tu veux bien prier pour ouais. euh, des mamans, certainement, mais il n'y a pas ouais. que ça. Il y a des épouses, il y a des époux qui prient pour la conversion de leur conjoint. Il y a des gens dans des situations difficiles, il y a des gens entourés de la maladie. Il y a toutes sortes de choses. Je te laisse ouais. prier pour Seigneur, on veut te remercier pour ta grande fidélité et on veut se rappeler en ce moment que tu es fidèle et que tu ne changes pas d'idée. Et on veut prier afin qu'il soit fortifié. Je prie afin que mes frères et mes soeurs, Seigneur, afin que ces mamans et ces papas qui sont dans des inquiétudes, qu'ils puissent être surpassés euh, par une paix qui, qui, oui, qui surpasse toute intelligence, qui soit inondée qu'ils soient visités par ton esprit là où ils sont. Nous voulons prier et s'accorder avec eux que leurs enfants vont revenir à toi. Amen. Nous voulons prier et nous voulons venir contre toute attaque de l'ennemi, toute ruse diabolique qui aurait pu être prononcée contre leurs enfants, les forteresses qui peuvent être là. Nous prions afin que ces choses soient détruites. Nous voulons prier afin que ceux qui luttent pour obtenir la, la pleine manifestation de la guérison, qu'il soit encouragé au nom de Jésus. Soyez fortifiés parce que non, c'est pas parce que ce n'est pas arrivé encore que Dieu est méchant, que Dieu vous en veut. Non, c'est parce qu'on a juste besoin de persévérer encore un peu. Soyez encouragés aujourd'hui au nom de Jésus. Père, on veut te remercier parce que tu es fidèle à ta parole en toutes choses. Amen, amen, amen. Soyez vraiment fortifiés. Ouais. On est tout cœur avec vous et on croit avec vous que la percée est proche et amen. que vous allez obtenir l'exaucement des promesses de Dieu dans votre vie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission et soyez pleinement fortifiés et bénis tout au long de ce week-end. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Allez, bye bye.